Bonjour à tous les amis, ici Yanamu et bienvenue pour ce nouvel épisode de Black and White 2. Oh yeah! Donc nous en étions là, voilà. Hein. Ici il n'y a pas de respect. Oh ici c'est bien ici là, tranquille. Hein. Ça vivote, tranquille. Hein. Pourquoi j'ai l'impression que j'ai un problème de bouffe au village principal? Il y a bel et bien un problème de nourriture au village principal. On va la ramasser un peu pour eux. J'ai peut-être pas assez de fermiers en fait. Disciple fermier. Disciple fermier. Disciple fermier. Disciple fermier. Voilà. Comme ça, je veux dire, il n'y a pas de respect. Parce que ouais, ils ont très peu de nourriture, je remarque ça. Pourtant, la taille des champs devrait être bien. On va leur faire un petit peu les stocks. Voilà. Ensuite, on va faire un petit miracle de l'eau. Voilà. Et un petit là aussi, tiens. Hop. Voilà. Comme ça, là, je veux dire, il n'y a pas moyen qu'il manque de nourriture encore. On refait une petite récolte. Pendant que la créature s'amuse. Oh tiens, elle arrose le champ, c'est cool. Oh, c'est bien ça, regardez ça, le miracle de l'eau, ouais. Qu'elle balance, elle. C'est good. C'est good. Quel terrible gâchis de vie humaine. J'ai pas fait exprès les gars, je voulais mettre des adorateurs. Disciple, adorateur. On va en prendre quelques-uns de plus parce qu'on en a pas assez je trouve. Disciple, adorateur. On a dû en tuer un ou deux, mais c'est pas grave. Ah, je veux dire, il n'y a pas de respect. Hein. Alors, nous en étions où? Oui, je voulais continuer à développer un petit peu ce village aussi. Lui, il produit assez de nourriture, c'est bien. Oh, il commence à être super peuplé là-dedans. Disciple fermier. Et il demande un autre entrepôt. Moi, ce serait que moi, je veux bien, mais là, je sais pas où le mettre. Hein, donc... Donc voilà quoi. Hein. Voilà. Et voilà, de quoi les occuper un petit peu. Hop, ça c'est ma cigarette électronique qui se casse la gueule. Ensuite, là-bas, qu'est-ce qui se passe? Ah là-bas, ils sont... ma foi, limite en bouffe aussi un petit peu. Mais bon, ça devrait le faire logiquement, oui, ça devrait le faire. Voilà. Ici, il y a notre petite garnison d'archers, tranquillou pépère. Et ils ont envie de quoi ici? Une statue. On va leur en mettre une ou deux, voilà. Statue de la fertilité, ma foi, ça fait jamais de mal. Et ils ont envie de ça à nouveau.
Alors ça serait que moi les gars, moi je veux bien perso, hein, mais là j'ai pas la place de le caser nulle part ça. Là-bas c'est vert on dirait, non? Ici c'est vert. Voilà. Voilà. Elle est sympa leur auberge, je vais en prendre une pour la mettre sur ma truc là-bas. Du genre ici, là, voilà. Une petite auberge. Ben voilà, la nourriture là, ça va mieux de suite. De suite, ça va mieux, hein. Voilà. Parce qu'il n'y a pas de respect. Bon, alors, au niveau de nos conquêtes, comment est-ce qu'on va faire ça? Est-ce qu'on conquit par la force? Ou bien est-ce qu'on refait, entre guillemets, une conquête, on va dire, classique? J'ai combien? J'ai 125 000 points. Il y a les remparts fortifiés qui sont bien, mais il y a les bains aussi. On va s'offrir les bains. Alors, où est-ce qu'ils m'ont mis les bains? Ils sont là. C'est pas ça? C'est ça que je veux. Un bon bain, c'est agréable. Un esprit sain dans un corps sain. Oui, oh, tu sais, hein. Ensuite, il nous faudrait quand même plus de mineurs, je trouve. On n'a pas assez de mineurs. Disciples mineurs. Disciples mineurs. Voilà, des mineurs supplémentaires. Parce qu'on n'a vraiment pas assez de minerais, je trouve. C'est pas ça que je voulais, mais c'est pas grave. Disciples mineurs. Voilà. Elle, au moins, elle est blindée en mineur. Vas-y, vas-y, éclate-toi, mon chéri. Alors, ensuite, il nous faudrait quelques petits habitants, là. Pour redevenir des bâtisseurs. Disciples bâtisseurs. J'ai l'impression qu'il n'y a point assez de bâtisseurs. Alors là, il manque du minerai ici, vous voyez. Travailleurs 0 sur 20, je sais pas où c'est qu'ils vont, mais alors... Je sais pas. Ok, la créature, elle va comment? Elle est plutôt en libre arbitre, elle est plutôt de bien, ça va. Sur 30, ok, et vous 50 sur 50, ok. Eh, c'est bizarre, moi je vois pas 50 bonhommes ici. Nous partons sur le champ. Ah, ils sont un peu buggés, hein, ces trucs, hein. Comme j'ai l'impression que moi la porte elle est à l'envers pour moi, mais bon, c'est pas grave. Achevez-les !
Ah, ils sont, elle est carrément à l'envers. Ce rempart est à l'envers. Il est complètement à l'envers, même, ce rempart. Je vais essayer de le démolir et de le refaire. Ouais. L'alcool émousse l'essence des bâtisseurs et des stratèges. Ainsi parlent les sages. Voilà. Là. Vous savez quoi, les gars, on va faire un petit truc ici, là. On va leur mettre un bain, ce qui va me faire gagner suffisamment de trucs pour aller voir. Les Grecs semblent attacher beaucoup d'importance à l'hygiène. On va le construire en mode vite fait, celui-là. On a beaucoup de minerais ici, j'ai remarqué. Là. Et comme ça, donc on aura des remparts. Propre. Voilà. Là, comme ça, je veux dire, il n'y a pas de respect. Eux, je vais leur vider leur stock de minerais. Et je vais le prendre pour les, pour là-bas. Qu'ici, on n'en a pas quasiment. Moins comme ça, c'est fait. Ensuite, donc, on va leur mettre un petit corps de garde. Voilà. Savez-vous aussi laver vos esprits, grecs? Et voilà, comme ça c'est fait et on en parle. On est pas mal, je pense, là. Je sais pas ce que vous en pensez, vous. Moi, je pense que... Moi, je trouve qu'on est pas mal. On est pas mal, on est pas mal. On a un joli rempart qui couvre bien le truc. Tranquille ou pépère. Minerai restant 10 000. Et là-bas? Ah ouais, minerai restant 0, en fait. Ok. Et en fait, tout chaque fois, ils vont jusqu'à la fonderie, là. Pour traiter le minerai. Ah ouais, c'est gros quand même, hein. Moi je dis c'est pas mal. Bon, on en est où là? Donc ça ils aiment bien, je remarque. J'ai rien contre les arbres, hein. Enfin, c'est pas tout à fait vrai, mais bon. Voilà, on replante la forêt. Ici, là, on va refaire un joli... Hop là, j'ai dit un joli quartier d'habitation. A votre avis, est-ce que je passe là? Oui, je passe. Voilà. Comme ça, je veux dire, il n'y a pas de respect. On va refaire de nouvelles villes là. Surtout qu'ici, il semble bien apprécier le coin en plus. On va leur mettre une garderie au milieu.
Voilà. Ouais, j'ai pas laissé beaucoup de place entre, mais bon, qu'est-ce que vous voulez, hein. On a un vieux sac ou on l'est pas, hein. Alors là, j'y vais tout doucement. Voilà. Ça nous fera un nouveau magnifique quartier d'habitation. On est d'accord. Les puits, à ce qui paraît, c'est le bien. Donc on va essayer d'en caler quelques-uns. Où on peut, hein. Et les statuts de la fertilité, c'est le mieux. Tout petit truc en plus, généralement ça passe partout. Voilà. Voilà, 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 on est pas mal. Moi je dis, les gars, on est bien là. Après, je vous l'accorde, il n'y a pas beaucoup d'action. D'ailleurs, je pense qu'il est temps d'en faire de l'action. Je sais pas ce que vous en pensez, vous, mais moi. Je pense que. Il est temps de faire une garnison. Quelque part. Ah, elle rentre pas là. Voilà, là où elle ne gênera personne. Les garnisons transforment les hommes en guerriers impitoyables. Il est rigolo, lui. Hop, là, les minerais y est. Je pense qu'il est temps, les gars, de partir en guerre. Je sais pas ce que vous en dites, vous. Moi, je le pense. Donc on va commencer à préparer ça. Et je pense qu'au prochain épisode, on ira faire des conquêtes. Rien ne vaut des gars enragés armés d'épées, boss. Oui, oh, tu sais, hein. Ah, je la trouve sympa, ce petit quartier, là. On va mettre un bain ici, voilà. Et dès qu'ils auront commencé à construire tout ça. Alors, un nouvel entrepôt. Ouais, moi je veux bien, mais je sais pas du tout le mettre, ton truc. Pour l'instant, le nouvel entrepôt, on en a un peu rien à faire. Ici, comment ça se passe? Parce qu'ici, en fait, c'est ma seule réserve de minerais que j'ai. Il va plus en rester beaucoup. Eux, ils sont bien. Ils veulent des prairies, on va leur mettre des prairies, hein, les gars. Moi, j'y vois aucun inconvénient à mettre quelques prairies par-ci par-là. La prairie, c'est le bien, après tout, pourquoi pas. Voilà.
Ouais, une petite zone verte là, que je puisse poser ma prairie. Non, il veut pas là. Que là, il veut vraiment pas. Le mec là, je veux dire, il n'y a pas de respect, il veut pas. Il veut pas, ma foi, hein. Tant pis, hein. Tant pis, tant pis, tant pis. Bon, bah, cette ville-là est plutôt sympa. Allez hop, petite fontaine pour vous faire plaisir. Les mecs, petit puits. Voilà. Et c'est tout. Il y a ça à faire là aussi, les missions à faire là. Bah, tiens, on va essayer de faire celle-là de mission. Élève moine, voici venue l'heure de passer ton épreuve. Détruis ces blocs en te servant de ton chi. Concentre-toi, mon garçon. Grave. Pauvre, vous pourriez peut-être l'aider en détruisant les blocs à sa place. Ça me peine de l'admettre, mais le barbu a raison. Et puis, tant qu'il s'agit de détruire... Allez, 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 allez. Non, raté. Oui, grand maître Kai. Oh yeah! Bon travail! D'accord, en fait, je fais chauffer le rocher comme ça, là, et il le casse. Excellent! Ok, j'ai compris le truc. Et voilà. Et voilà, voilà. Et ça, ça rapporte des points d'influence. J'aime bien la vue sur la ville. J'aime beaucoup la vue sur ma ville comme ça. Bien joué, vous avez gagné des points d'offrande. Combien ? 40 000, wouhou ! Construire une merveille, mais les gars, je vais pas construire une merveille, j'en ai pas de merveille. À partir de là, je veux dire, y a pas de respect, quoi. Disciple reproducteur. Disciple fermier. Disciple bâtisseur. Voilà, vu que les fermiers font grève. Au moins, comme ça, on est tranquille. Vous avez vu à quelle vitesse ça s'est construit, n'empêche, et j'ai pas aidé ici. Hein. Et j'ai vraiment pas aidé ici. Hein. Magnifique. C'est magnifique. Moi, je dis, c'est magnifique. C'est génial. J'aime beaucoup. J'aime quand ça construit vite. J'ai 425 en population et 240 soldats. Je vous le dis les gars, ça va bouffer de la bouffe. Ça va vraiment manger de la bouffe tout ça. Marie.
Voilà, on va commencer par l'attaquer un petit peu, je pense. Hein. Enfin, on va plutôt commencer par sortir une armée. Eux, ils sont buggés. C'est good. Archevez-les ! C'est parti ! Allons-y ! Pour la gloire ! Archevez-les ! Pour la gloire ! Tout de suite ! On y va au plus vite ! Il y a un truc à faire là. Je sais plus comment ça marche. Tout de suite ! Allons-y ! Oui, chef ! Paré ! Bien compris ! Restez près de moi ! Paré ! Il y a un raccourci qui permet de grouper les deux en fait, mais je sais plus comment on fait. Reculez ! On y va au plus vite ! Avancez ! Mais je sais plus du tout comment on fait. Nous partons sur le champ. Changez ! Ne faiblissez pas ! Vous avez vu les flèches ? Je m'en lasse pas ! Ouais, oh, tu sais. Ah, un bon combat, ça fout la pêche, non ? Ah, on verra bien hein, si on gagne ou si on perd. Hein. Allons-y. Pas de pitié ! Restez coupés. Oh putain, quoi, on s'en prend plein la gueule, là. Ah ouais, ouais, là, on s'est fait décimer, les gars. Là, je veux dire, on s'est fait décimer. Là, on s'est fait décimer. Ouais, ben voilà, il n'y a plus d'armée. On a tout perdu, les gars. On a absolument tout perdu. Bon. Ben, on sait qu'on n'a pas encore d'assez grosses armées, hein. Voilà, moi, je veux dire, il n'y a pas de respect, hein. Ouais, 5 bonhommes foutent sur la muraille, ça va aller. On aura essayé, moi je dis on aura essayé les gars, on aura essayé. Allez, pour se remonter un peu le moral, on va faire une deuxième mission ici. Oh, pauvre Dolly, t'as pas l'air bien. Qu'est-ce qui va pas? Oh, cette brebis n'est pas malade. Elle est en train de mettre bas. Attrapez ces agneaux avant qu'il ne leur arrive quelque chose. Lol. Il manque plus que quelques patates. Des petites patates avec un peu de lardon, des oignons. Faut laisser cuire, mijoter à feu doux. J'adore le feu aussi. Et puis on rajoute un peu de vin blanc dedans pour une bonne sauce. Youp. En voilà un autre. Lol. Lol. Non mais moi je dis c'est rigolo hein, je vous rassure. Attention, ça commence. Ça se passe vraiment pas comme ça dans la nature. Hein. Mais vraiment vraiment pas comme ça dans la nature ça se passe. Ça va plus tarder. Ça c'est une mission ça les gars, elle sert juste à affûter vos réflexes mais... En fait elle sert un peu à rien mais c'est pas grave. Et l'autre là-bas il est en train de danser, il est en train de devenir fou. En voilà un autre. Hop là. Elle les propulse hein, la truc hein. Je sais pas comment elle va. Attention, ça commence. Ah ouais, j'ai cru que j'allais pas les avoir ceux-là. Ma souris elle a eu un petit dératé là. Ouais. Ça va plus tarder. Ah là je l'ai raté celui-là. Ah mais la souris je sais pas pourquoi elle va super lentement sur ce jeu.
Putain, mais pose-le le truc, quoi. Ah, mais... En voilà un autre. Eh bien, pose-le. On a 24, c'est un bon score pour l'instant. Attention, ça commence. Eh bien, mais tu vas l'attraper. Oh, on les a eu de justesse, ceux-là, encore, hein. On pourrait bouger les trucs, là. Bon, bah, ça va. Voilà. Ah, c'est un lance-agneau que t'as. Tu me le prêtes pour la guerre. Oh, ma pauvre Dolly. Ça va mieux, maintenant. Et nous avons ces nouveaux amis pour nous occuper. Vous avez réussi, patron. Beau travail. Bon, j'en ai eu 26, hein, les gars. Agneau sauvé, 26. C'est pas mal. C'est même plutôt bien. Voilà. Allez, on monte sur les murs, là-haut, tranquille ou pépère. Alors, ici, qu'est-ce que ça dit? On a 23 000 de prestige, les gars. On est en maximum de bonheur. On a un taux de natalité plutôt faible. Ouais, on a perdu beaucoup d'armées. Par contre, il va falloir en faire un paquet, je pense. Ces Grecs ne devraient pas être nos ennemis. Mais nous devons les affronter. Ce sont les ordres des Aztèques. J'aimerais bien leur faire un temple là, mais ça passe pas, quoi. Ou une auberge encore là, mais ça passe encore moins, quoi. J'arrive pas à leur faire. Ah. Il y a une petite case de verre ici, tiens, voilà. Comme ça, à côté, je pourrais leur mettre un temple. Par contre, le battement de cœur dans les oreilles, il fait mal, hein. Ah, c'est joli, moi je trouve. Il y a encore des mineurs ici, je parie. Ouais, ils ont rien à faire, quoi, les pauvres. Enfin, les pauvres, façon de parler, hein, bien entendu, hein, mais ici la mine doit être totalement épuisée déjà. Ouais, il reste plus grand chose dedans. On va prendre des minerais là. On va leur en laisser un tout petit peu quand même. Et on va le mettre là. Voilà, on est plein comme ça en minerais. Comme ça, nous sommes tranquilles. Ah, on aurait essayé de faire une bataille, mais alors c'est pas facile, hein, c'est pas gagné. Hein. Disciple reproducteur. Disciple reproducteur. Disciple reproducteur. Voilà, quelques petits reproducteurs en plus, ça sera toujours ça de prix. Il nous faudrait un meilleur taux de natalité. Et eux, ils savent toujours pas ce que c'est que les routes, hein. Je veux dire, il n'y a pas de respect. Hein. Par contre, c'est ça qui me fait peur, vous voyez. Ça me fait peur, ça, la sirène. Ouais, ça me fait un petit peu peur.
J'aime bien, par contre j'aime beaucoup leurs auberges à eux là. Je trouve les auberges japonaises magnifiques. Un bain, ça passerait pas par là, non? Non, on peut toujours rêver, hein. Je peux toujours rêver. Voilà, faire un petit chant ici. Là-bas, c'est super. Voyez ici, là, c'est super. Bon pour les chants. On va leur en faire d'autres parce que l'air de rien, ils sont un petit peu nombreux quand même. Et ici, là, on va essayer de faire ça en quartier d'habitation également. Ouais. On va bien voir l'astuce pour empiler les escadrons si elle y est quelque part. Ok. Tout ça, c'est des conseils sur l'armée là, peut-être que. Ne vise pas, d'accord. Ah mais... D'accord. Ouais, mais comment on fait pour les lier? Comment on fait pour les lier? Donc les gars, si vous savez comment on lie les armées, n'hésitez pas à me les laisser, à me laisser l'astuce dans les commentaires. Bah, comme ça, prochain coup, je saurai le faire. Et au moins, bah, ça sera beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux. Comme ça, je veux dire, il n'y a pas de respect. Voilà. Et également, comment les entraîner, parce que ça pourrait être utile. Hein. Pas leur envoyer un rocher dans la gueule à eux là-bas. Ils sont un peu loin quand même. Il faudrait que j'aille conquérir cette ville, ce village en fait. Pour que je puisse après leur envoyer des boules de feu, etc. Ça serait plus simple. Ah, mais alors pour aller conquérir celui-là, ça va être chaud bouillon. Hein. Ça va être chaud, chaud, chaud bouillant. Vas-y, amuse-toi avec un villageois, mon cher. Oh yeah, le bain est construit. Magnificus. Ça aussi, ça va être construit. Alors au mieux, la garderie, c'est une bonne idée au final, parce que ça fait augmenter le taux de natalité un petit peu partout. C'est pas mal comme truc en fait. Parce que je remarque que la garderie ne sert que dans un espace assez, assez confiné. Donc bon, moi je trouve ça pas mal. Bon ben les gars, ça fait quasiment 40 minutes que je suis avec vous. On va s'arrêter là, voilà, on aurait un petit peu d'action, tout ça, bref. On a agrandi encore notre belle ville. On est plein en bouffe, on est plein en tout ici. Il faudra absolument construire notre entrepôt. Le problème, c'est que c'est difficile de bâtir un entrepôt ici. C'est rendu difficile. Peut-être raser un ou deux champs pour faire un nouvel entrepôt. Lâche-moi. Merci. Ouais. Ok, là, elle a fait le miracle de l'eau sur les arbres, pourquoi pas. Je veux de la flotte, ma chérie. Voilà, ça je dis, il n'y a pas de respect. On va mettre quelques petits miracles de soins par. Il est parti où lui? Ah bon? Ah, il est parti loin lui. Hein. Je sais pas ce que j'ai balancé là, je voulais un miracle de soin quoi, mais. Voilà.
Voilà, voilà. Bon, ben les amis, on va s'arrêter là. J'espère que vous avez apprécié cet épisode. N'hésitez pas à me laisser plein de pouces verts, de commentaires. Dites-moi surtout comment on fait pour... Je sais pas ce que c'est ça, mais c'est pas un foudre. Oh, il est pas mal mon lancer là. Il est joli lancé, joli lancé, joli lancé. Ah. Boing. Boing. Ah, mais il part vers la droite toujours, chaque fois. Ouais, j'arrive à plus le mettre peut-être par là-bas. Oh, on fait des, je fais des essais. Hein. Ah. Ah non, il a pris la colline à la gueule, là, ça l'a vachement ralenti. Fais encore un rebond, purée, t'y étais presque. Ah, dommage. Dommage. Alors, Mira, tu fais un peu. Raté. Il rebondit pas, lui, hein. Miracle du feu ne rebondit pas. Ah, mais j'arrive pas plus loin. Il me faut vraiment conquérir ce village. Bon, les amis, j'en étais là, voilà. Donc, n'hésitez pas à me laisser plein de commentaires, plein de pouces verts, plein de pouces pas verts. Ce que vous voulez en dessous de la vidéo, voilà, parce qu'il n'y a pas de respect. N'hésitez pas à me dire si je dois essayer de les avoir militairement ou bien pacifiquement, ces gens-là. Parce que moi, j'aime bien, en fait, les avoir comme ça, avec un agrandissant ma vie, tranquille ou pépère. Mais bon, c'est vrai que le combat, ça peut être sympa aussi, hein. Franchement, c'est... Si les Aztèques ne nous tenaient pas sous leur coupe, nous pourrions en finir avec ce conflit. Nous n'avons aucun réel grief contre ces Grecs. Je te remercie de m'avoir coupé la parole, toi. Non, mais voilà, y a pas de respect. Y a vraiment aucun respect dans ce jeu. Bref, bah écoutez les gens, je vous dis à très bientôt pour le prochain épisode. Allez, ciao ciao.